Je suis parti au pays, j'étais au Burkina Faso, pour voir la famille. Au Maroc, une semaine au Maroc pour me ressourcer auprès de ma famille. Tour du monde, j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? En fait, on a le jet privé. On s'est dit, il faut, avant la fin de la carrière, il faut le faire. Non, je rigole, on est parti à Marrakech. Je suis allé un peu chez mes parents dans le Vaucluse. Et puis après, je suis resté ici en famille, on a profité avec ma femme. Je suis allé un peu à Monaco, pas loin, tu vois. Ça, on n'a pas eu beau temps, tu vois. Mais ça fait du bien quand même. Je suis parti au Cameroun, je suis allé voir ma famille. Je suis resté là, moi, j'ai bossé pour la rééducation. J'étais une semaine en sélection et après je suis parti une semaine à Londres. Ah, moi, dans le sud, j'étais à Grasse avec toute la famille au top. Moi, je suis resté ici. Moi, je suis parti au Canada. Voilà, 15 jours. C'était exceptionnel. J'allais prendre un peu le froid parce que le soleil, on le voit tous les jours. Je suis parti en Tanzanie, Zanzibar, pendant 10 jours. Bon, je pense que les joueurs viennent avec beaucoup de volonté. Hein. Ils ont eu une quinzaine de jours de repos. Sur les 15 jours, il y a eu un travail qui leur a été proposé, qui a été effectué aussi, pour ne pas qu'ils perdent trop. Maintenant, on a 4 semaines de préparation. Ces 15 jours nous ont permis aussi de récupérer tous les joueurs qui étaient indisponibles avant la trêve. Je pense à Mayembo, à Tousgar, j'en oublie peut-être. Mais je pense que ça va nous faire du bien à ce niveau-là aussi, pour pouvoir travailler avec l'intégralité du groupe avant notre premier match face à Angers le 28 décembre. Bon, ils ont l'air plutôt bien. Après, on manque un peu de recul. On n'a repris que ce matin sur une séance vraiment aérobie, pas du tout spécifique. Ils ont l'air plutôt heureux de reprendre, ce qui est de bon augure et ce qui est important pour la suite. Maintenant, la trêve a été construite pour perdre le minimum, pour récupérer physiquement, récupérer mentalement tous les efforts qu'on a pu faire dans cette première partie de saison, mais à la fois pas tout perdre ou pas trop perdre pour vite repartir sur des intensités spécifiques, parce qu'on va en avoir très très vite besoin. Ils n'ont pas fait d'excès ? J'espère pas. On va le voir demain matin peser. A priori, à première vue, j'ai pas l'impression. Et connaissant les gars, je pense pas. En courant, en maîtrise,